l'immobilisme, c'est à quel niveau? Le travail que les mandataires font, les ministres font, les députés, le président, tout le monde doit au premier plan satisfaire le peuple. Et c'est ce que Moutamba fait. Prendre des décisions qui déplaisent au réseau mafieux, mais ces décisions sont saluées par le peuple. La finalité de l'action publique, c'est la rencontre des intérêts populaires. Si le peuple est derrière, apprécie le travail qu'il fait, qu'on dise qu'il est populiste ou pas, le peuple s'en fiche. Vous n'avez qu'à voir lorsque le peuple a appris qu'il a été victime d'un empoisonnement, le peuple s'est mobilisé, le peuple a prié pour lui. Est-ce que s'il était populiste, comment le peuple pouvait prier pour un populiste? C'était un discours tout simplement pour désorienter l'opinion et les diaboliser pour que le peuple ne l'accompagne plus, afin de permettre aux mafieux de continuer le travail de la destruction du pays. Ne prêtez pas le flanc à ces gens qui prêchent la diabolisation ou tout simplement manipuler l'opinion contre celui qui travaille dans ce gouvernement de la République. Vous n'avez que deux ministres qui ont sorti la tête de l'eau. Il y a le ministre Moutamba et le ministre Lufamba. À part les deux, il n'y a plus personne. Bonjour à tous. Bonjour. Je tiens à vous remercier. Merci. À vous sauter, mon père. Ma gratitude. Vous êtes les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. L'attaque était brutale. L'attaque était sauvage. Était mortel. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'État, grâce aux multiples prières, les Africains, je regagne de nouveau la terre de nos ancêtres. Les différents messages, les différentes mobilisations que vous avez organisées témoignent du soutien que vous apportez à la lutte noble que nous menons pour le redressement de notre justice. Sur instruction du chef de l'État. Ça veut dire que le peuple congolais vient de me dicter la méthode à adopter pour guérir notre justice de sa longue maladie. Je vais donc plus que jamais travailler pour continuer à honorer le chef de l'État et à ne pas décevoir le peuple congolais. Amen. Ça veut dire que
on n'échange pas des méthodes qui gagnent. Amen. Nous allons poursuivre sans relâche et avec beaucoup plus de fermeté encore. Les réformes courageuses et audacieuses que nous avons amorcées. Seule la justice élève une nation. De tout temps, de tous les ans, de tous les siècles, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. Et nous allons nous inscrire dans cette démarche-là. Nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Madame. Je tiens à rappeler que vous êtes journaliste. Alors, la rentrée parlementaire est prévue pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons attendre? Je crois que la session de septembre est essentiellement budgétaire. Nous voulons que les députés puissent cette fois-ci faire un vrai débat sur le budget de la République. Mais aussi tenir compte du fait que le budget précédent doit être évalué. Cela permettra à la représentation nationale de comprendre les failles du budget précédent, tant au niveau de la mobilisation des recettes qu'au niveau de la dépense. Et se projeter sur des perspectives du budget de l'exercice 2024-25. Mais aussi, nous espérons que les élus du peuple, les députés nationaux, vont aussi se pencher sur la question du contrôle parlementaire. Parce que le contrôle parlementaire permettra aux élus du peuple de comprendre si les mandataires ainsi que le ministre font correctement leur travail. Au cas où le travail n'est pas correctement fait par les mandataires publics et le ministre, procéder très rapidement aux sanctions et permettre aux décideurs de trouver d'autres Congolais capables de venir travailler au nom ou le compte de l'intérêt du peuple. C'est à ce sens que l'Assemblée nationale jouerait pleinement son rôle de contrôleur, mais aussi il faut penser aux réformes, notamment les réformes sur le secteur de la justice qui a été qualifié de malade, non seulement par le président de la République, mais aussi par le ministre d'État, ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, accélérer l'examen de projets de loi qui ont été déposés par le ministre des Finances pour permettre à notre pays d'avoir une justice qui sera une justice réellement au service du peuple. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a déjà un changement depuis que les patrons de la justice levaient même Constant Moutamba à la tête de la justice? Si, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Le travail est immense. Les attentes sont énormes. Et le ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, est à la hauteur des enjeux. En dépit du fait qu'il y a des combats, il y a des attaques. Il a été victime d'un empoisonnement mortel. Il est de retour au pays et il ne cache jamais sa détermination à poursuivre la thérapie de choc quant aux réformes à mener sur le secteur de la justice. Et donc,
il est à la hauteur, il est jeune, il est engagé, il a le soutien, non seulement c'est lui qui l'a nommé le président Tshisekedi, mais aussi il a le soutien de l'ensemble de notre peuple. Beaucoup de gens les qualifient d'être dans les populismes. Mmh. Oui, mais le populisme, c'est à quel niveau? Le populisme, c'est quand il a mené des réformes profondes, par exemple, l'insaisissabilité de comptes des entreprises publiques, les projets de loi qui ont été déposés au niveau de l'Assemblée nationale, quand il a procédé au désengorgement, ou soit quand il a demandé qu'on arrête avec des spoliations, des concessions d'autrui. Le populisme, c'est à quel niveau, hein? Bon, vous savez, au Congo, lorsque quelqu'un prend des décisions, il est en perte de vitesse, tout ce qui va avec. Et puis, il a le soutien du peuple. Alors, je comprends, le populisme, c'est à quel niveau? Le travail que les mandataires font, les ministres font, les députés, le président, tout le monde doit, au premier plan, satisfaire le peuple. Et c'est ce que Moutamba fait. Il prend des décisions qui déplaisent au réseau mafieux, mais ces décisions sont saluées par le peuple. La finalité de l'action publique, c'est la rencontre des intérêts populaires. Si le peuple est derrière, apprécie le travail qu'il fait, qu'on dise qu'il est populiste ou pas, le peuple s'en fiche. Vous n'avez qu'à voir, lorsque le peuple a appris qu'il a été victime d'un empoisonnement, le peuple s'est mobilisé, le peuple a prié pour lui. Est-ce que s'il était populiste, comment le peuple pouvait prier pour un populiste? C'était un discours tout simplement pour désorienter l'opinion et les diaboliser pour que le peuple ne l'accompagne plus afin de permettre aux mafieux de continuer le travail de la destruction du pays. Donc, ne prêtez pas le flanc à ces gens qui prêchent la diabolisation pour tout simplement manipuler l'opinion contre celui qui travaille dans ce gouvernement de la République. Vous n'avez que deux ministres qui ont sorti la tête de l'eau. Il y a le ministre Moutamba et le ministre Lufamba. À part les deux, il n'y a plus personne. Les gens disent que depuis qu'il est là, elle a consommé déjà plus de 100 jours. Madame Judith Soumino à Toulouka, mais il n'y a pas un changement. Elle n'a rien fait. D'ailleurs, en ce qui concerne son gouvernement en général, il n'y a que deux ministres qui travaillent. Vous venez tout à l'heure de le dire. Que devons-nous attendre de ce gouvernement de Madame Judith Soumino? Il faut exiger plus. Il faut exiger plus de la part du gouvernement souminois. Elle a mis du temps à prendre ses marques, mais je crois qu'elle a commencé à poser des actes. Par exemple, je venais de le dire tout à l'heure, il y a un cumul de 400 millions de dollars qui est vraiment quelque chose de très, très appréciable. Mais je m'interroge aussi sur l'affectation de ce fonds. C'est bien bon d'avoir un cumul de 400 millions grâce à son leadership. Mais ce serait aussi mieux que ce fonds serve réellement à l'intérêt général. Très bien, merci beaucoup. Un dernier mot? Je souhaite que les choses aillent mieux. Je souhaite que la ville soit correctement gérée. La ville est dans un état de délabrement très avancé. Et apparemment, je ne vois même pas un début de changement, malheureusement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Misala, Toliki, 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 Misala. Prochaine activité. Le travail est un droit. L'État doit protéger les. Papa, comment nous avons une rentrée parlementaire, nous avons eu un salon, nous avons eu et puis nous avons s'attendre à Nini. Biso, nous avons eu un mouvement Oyo, Tobengi, na français, dynamique, article 36. Article 36, c'est un article de la Constitution de la République démocratique du Congo. Oyo, le biais est un salon et un droit. Le travail est un droit pour le peuple congolais et l'État doit protéger les travailleurs. L'État doit protéger aussi le chômeur. Mais depuis que tu sois indépendance, depuis que tu as article 1 dans la Constitution, tu n'as jamais débattu sur Yango, tu n'as jamais respecté Yango. Yango, mouvement Oyo et Botami, mouvement Oyo et Zaliko Bundela, Bongo, respect à l'article Oyo. Tu as aussi une autorité dans mon collègue à la rentrée parlementaire. Soit, tu as l'article dans la Constitution, soit. Bah, appliquer à mon dingue, bah, ouais, là, quoi, appliquer, bah, article, et protéger à Bango. Bango, bah, bounde la mingue, article, et Zali, fait un mandat, convocation, y a élection, partage à pouvoir, ou alors, au moins, là, Bango, bah, zo, bounde la. Mais article, et social,
oh chef de l'État de la République démocratique du Congo, a outi na parti oyo eza ko bundela bongo social ya peuple. Normalement l'article 36 engake ezala na munoko ya mokonzi ya mboka na ba politiciens à chaque fois que bazali koleka na ba etando ike pe etando inene. Mais grande est notre surprise, ba évoquera jamais article 36 de la Constitution. Yango tozali ko benga na peuple congolais, tozali ko la Moussa Bilenge, tozali ko la Moussa ba papa ba maman. Article 36 ya constitution des alliés article na biso peuple bon rejoindre biso na bitumba oyo to bandi yango to kolembate ti et ba ko respecter article oyo soit balongoli yango na constitution de Rwanda Kimia yelo to ko comprendre que jusque là social ba congolais en sans impact. Social n'existe même pas. Le mot social dans notre pays, il ne faut même pas le parler. On ne sait pas si on est en train de vivre. On ne sait pas si on est en train de vivre. Et l'autre, ça a mis ce sentiment. Moi, Nawana, Mobocha, Lobaki, Oke Mukeli Boulou. Ma boule est à Mboka Nyos, Otamboli Mukeli Boulou. Otamboli Mukeli Boulou. Ma boule est partout. Bana Basongi classe n'a difficulté. On paye un enseignant $145. Batiango na franc, bakosi, on a 450 000 francs congolais. Mais ce que tiango franc congolais, ce n'est que $135. Insignifiant. Il n'y a pas le social. Depuis Balabassi, ça, ma classe, Moussa les athées. Mais vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens, au bazar, qui vivent dans la bourgeoisie. T'as un truc de ça, que soit parlé du peuple. T'as là, bah, dit pas cher. T'as là, bah, dit pas cher. Bah, on t'a dit pour nous, soit soumis à tracteur. On se pose des questions au président en parlement. Alors, il y a une initiative de la vie, député, nous sommes dingues à toi. T'as là, mis tout, que la mission de soumis à tracteur pour le peuple. Ils peuvent le faire. Le peuple est prêt à travailler. Le peuple est prêt à faire la bilanga. Mais ils ne le veulent pas. Il y a un peu de le peuple congolais de bounder l'article 36 de la Constitution. Article 36 de la Constitution est lobby boyé. Le travail est un droit pour tous les Congolais. Dans l'article 36 de l'alinéa, l'État doit protéger les travailleurs. Mais aux amis, comme la bande de Konabis, on ne travaille pas par les Pakistanais et les Bazaliko Kemba. Dans le lobby, l'article 36. L'été, il faut foutre à Congolais salaire, moko de sang. On va permettre à vivre bien en famille, naïe. Mais besoin, on va le salaire, on va appeler ça battre. Na voye bisalo ozu muta travailler na fonction publique. Bazo foute 85 000 francs congolais. Na katia mboka la biso. Wana on reza salaire de ça. Même pas $20. Nous devons, côté le ma peuple congolais, bon rejoindre biso na bitumba oyo. Eza bitumba la parti politique te. Eza bitumba roye la ba poste te. Mais eza bitumba ya ko respecte kaka article 36 ya constitution. Mais majorité dynamique o boza ba jeune. Est-ce que ba jeune lelo? Bazo sala un papa qui est de même que nous. Comme ça la to ba vande ba kang ma boko. Bazo zela ete l'état a intervenir. Maman, o koki ko koma 1007 na katia mboko yo. Moto ko engagé à Zate. Preuve année, Banque mondiale a autopé sa biso y a été là deux ans. $100 millions. Pour appeler sa ba jeune, ba créer ba emploi. $100 millions on a porté disparu dans deux poches des gens qui nous dirigent. Toi qui sous ce matin, il y a biso que Banque mondiale a aussi ko bâti à sous 300 millions. Et puis on sera encore surpris que les 300 millions va disparaître. Or, sauf de sali politique, moko y a bien. Il y a ma pire petite, il y a ma ne y a ma causité. On peut créer de l'emploi. Koluka Moussa, là, c'est pas dit que tous les hommes qui sont ici sont aussi chômeurs. Mais ils ont une juste conscience que nous pouvons nous battre. Parce que nous sommes là. Moi, je suis là. 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 Mbongo ne ko somba tracteur mbongo bo somba la ba dip o basi nwa ki no ba congé la ba poto et que somba ba bateau de pêche bateau de pêche mo ko za la capacité de créer 500 emplois donc ceux qui ba tie sérieux ba tie pendant social na si mboka o to luka pe misande to zo luka wate parce que misala na ko ko ni fo ça la politique mais biso to za pour ça politique il ou soit il faut ça deux fois et zo le ba ma déjà soit to za PD dans une misala soit za PD to rejoindre misala te. Alors, biso bato tobi to bounde la peuple, le petit peuple doit nous faire confiance. On se bat pour l'intérêt général, il y a petit peuple, le peuple abandonné. Notre message est là. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la raison de votre présence ici? En tout cas, déjà, à la base, moi, je suis sectionnaire du parti CRD et nous sommes venus, nous sommes mobilisés, comme vous l'avez constaté, pour soutenir notre autorité morale, le patriarche Mboso Kodia Pranga Christophe. C'est la rentrée parlementaire. Que devons-nous attendre de cette rentrée parlementaire? Exactement. Comme vous l'avez constaté, c'est la rentrée parlementaire.
Donc, le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour voir les nécessités qu'il y a dans les pays. Vous savez, en ce moment, le pays fait face à beaucoup de choses, entre autres l'infection appelée Mpox et tant d'autres urgences que nous avons en ce moment. Et le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État auquel le processus est déjà en cours. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de cette rentrée parlementaire? En tout cas, je pense que ce sont les élus du peuple qui se réunissent aujourd'hui. Donc, la population, en tant qu'électeur, devrait s'attendre à ce que les élus du peuple fassent entendre à haute voix les attentes de cette population. Donc, je peux rassurer la population congolaise de s'attendre à ce que nous sentons des actions après cette rentrée parlementaire. Cette rentrée parlementaire est basée sur est budgétaire, j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que les sociétés des Congolais n'ont pas d'impact jusqu'à la 6 ans après? En tout cas, s'il faudrait parler du social, en général, c'est vrai. Nous savons tous que le social est dans des conditions un peu désastreuses, mais le social est parti surtout sous plusieurs rebords. Et il faudrait être un peu assez large pour pouvoir diminuer un peu cette tension au niveau du social. Et c'est d'ailleurs la raison de cette rentrée parlementaire. Donc je pense que la situation du social sera évoquée. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot est que nous sommes Congolais et nous devons toujours espérer à un avenir meilleur pour ce pays. Donnons la chance à ces gouvernements, donnons la chance à ces parlements et attendons les meilleurs. Très bien. Merci. Bonjour Monsieur Samy. Bonjour Madame. Nous voulons savoir c'est quoi votre raison de votre présence ici. Écoutez, ici ça s'appelle Palais du Peuple. Ça veut dire tout simplement que c'est la maison de l'ensemble de la population. Dans la mesure où la Constitution elle-même nous reconnaît, nous populations, comme souveraines primaires. Et à l'occasion de cette rentrée parlementaire, il était tout à fait indiqué pour tout citoyen et pris du sang du patriotisme de venir voir et écouter qu'est-ce que les représentants de cette population vont nous dire en termes de la mission qu'ils ont et par rapport au travail qu'ils doivent abattre tout au long de cette session parlementaire. Sachant très bien que cette session est essentiellement budgétaire, nous pensons que c'est une bonne occasion pour nos représentants à tous les niveaux, que ce soit les députés nationaux ou comme les sénateurs, de pouvoir inscrire des projets qui vont répondre véritablement et concrètement à nos attentes. Quand je dis nous, c'est nous la population. Il ne faudrait pas que les politiques qui sont dans cette chambre de représentation pensent qu'ils sont là pour leur poche ou ils sont là pour leur famille. Ils sont là d'abord pour la République, ils sont là pour la nation. Donc quand je parle des projets concrets ici, je vois la République démocratique du Congo qui est privée des routes partout. Toutes les provinces aujourd'hui se plaignent, il n'y a pas de routes. Que ce soit les routes nationales, que ce soit les routes provinciales, que ce soit les routes de dessertes agricoles, ça n'existe plus. L'autre projet qui doit prendre beaucoup plus d'importance dans ce budget, ça doit être les projets agricoles. Le Congo est un pays à vocation hautement agricole. Il y a des forêts qui chôment. Il faudrait que le gouvernement puisse s'y atteler afin que la population puisse manger à sa faim. Le troisième projet, c'est la santé. Aujourd'hui, lorsque vous circulez même dans la ville de Kisangani, dans la ville de Kinshasa, et dans d'autres villes de la République, c'est horrible. Le degré très élevé de l'insalubrité, ce qui provoque des maladies. Il faudrait donc que le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, puisse allouer un budget conséquent au système sanitaire de notre pays. Donc voilà la raison qui m'a amené ici. Je suis venu écouter et aussi former mon jugement personnel en tant que citoyen. Et ce que je dis là, je vais le coucher par écrit et transmettre officiellement à nos deux chambres du Parlement. Très bien. Alors aujourd'hui, on peut comprendre qu'il n'y a pas l'impact sur les sociétés des Congolais. Il n'y en a pas, madame.
il y a au contraire un écart considérable dans la répartition des richesses nationales. Vous savez qu'aujourd'hui, un député, selon les rumeurs, touchera aux alentours de 30 à 31 000 dollars et un enseignant vous touche 80 dollars. Ce n'est pas normal. Ils sont députés parce qu'ils sont passés par les bancs de l'école. Donc, il faudrait qu'eux, à leur tour, puissent valoriser le secteur de l'éducation. Et donc, il faudrait un budget conséquent. Qu'un enseignant quitte de 80, par exemple, à 300 dollars, qu'est-ce que ça fait pour ce pays? Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté qui manque, madame. Est-ce que dans les 4 ans restants, les sociétés de Congolais, il y aura de l'impact sur les sociétés de Congolais? On peut compter sur ce nouveau gouvernement de madame Judith Toudou-Kassoumine? Madame, je reste tout à fait pessimiste. Parce que vous savez, ce gouvernement, je le dirais, c'est le pire des gouvernements qui puisse exister. On ne les sent pas à tous les niveaux. On ne les sent pas. Nous avons des ministres qui sont amorphes. Et je voudrais peut-être que, pour que le chef de l'État ait la chance de marquer par des impacts positifs cette population, il faudrait qu'il procède tout simplement au remaniement. Parce que c'est un gouvernement des amorphes. Il ne fout absolument rien. Et tout cela, c'est à la charge à la fois du président de la République et à la première ministre elle-même. Donc il faudrait qu'il refonde les choses pour que la population puisse espérer à un quelconque changement. Mais il y a, selon le rumeur, il y a deux ministres qui travaillent bien. Il y a Dodo Fomba et Constant Moutamba. Que dites-vous? Quand on dit qu'ils travaillent bien, il faudrait qu'on sente cet impact. Mais moi, je ne le sens pas. Ce n'est pas le fait de prendre l'argent, vous donner, je ne sais pas moi à qui ou à quoi, et vous dites que vous avez fait quelque chose. Nous devons le sentir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le système financier congolais est au point? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a toujours l'inflation monétaire. Si vous pensez que le ministre des Finances travaille, ok, c'est votre point de vue, mais moi, en tant que citoyen, je ne les sens pas. Tous les autres ministres, je ne les sens pas. Ou ils sont asphyxiés, je ne sais pas. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des réformes courageuses du côté de finances pour qu'on puisse espérer au changement que nous attendons. Mais en ce qui concerne la justice, il y a un changement quand même que le président avait qualifié l'autre fois. C'est le seul ministre qui peut aujourd'hui dire, et que moi je peux aujourd'hui dire qu'il travaille. Vous savez, ce pays a besoin de gens comme Constant Moutamba. Constant Moutamba, c'est un frère que j'ai connu dès le bas âge. Il a étudié dans la même école que moi, au collège Maëlé. Et je suis fier de lui. Et vous savez ce qu'il fait là? Si le chef de l'État ou madame la première ministre avait deux ministres comme Constant Moutamba, beaucoup de choses changeraient dans ce pays. Vous savez, les réformes qu'il est en train d'initier, il faut être courageux pour les faire. Il faut être également, il faut avoir une vision pour les faire. Il faut avoir du courage pour les faire. Hein? Vous voyez les attentats qu'il est en train de connaître là. C'est parce que les Congolais n'aiment pas le changement. Mais je pense que les prières des Congolais sont en train de l'accompagner et qu'il pourra atteindre ses objectifs. Donc nous l'encourageons et nous pensons que les autres peuvent faire de même dans leur secteur respectif. Dans 30 secondes, que devons-nous retenir? Nous retenons que cette rentrée parlementaire est de tous les enjeux. Et de tous les enjeux, dans la mesure où le peuple congolais attend de notre Parlement beaucoup de choses. Et surtout en cette session budgétaire, le Congo, où les Congolais veulent voir le changement dans tous les secteurs, ne serait-ce que dans les secteurs clés. J'ai cité ici l'éducation, la santé, l'agriculture et la justice. S'il y a des changements dans ces secteurs, nous dirons enfin que oui, le Congo est en train de progresser petit à petit, faire son développement, faire son émergence. C'est à moi de vous remercier, madame.